Salut tout le monde et bienvenue dans votre chaîne éducative Top Math Abdelwahab avec un nouveau tuto, tuto numéro 3. On va s'intéresser bien sûr au reflet miroir d'un texte et d'une image. Donc commençons par ouvrir un nouveau document, bien sûr c'est déjà fait. J'ai choisi comme largeur 1024 pixels et comme hauteur bien sûr 800. Vous avez le choix bien sûr. Et on a besoin de taper un texte. Donc c'est déjà fait. Donc voilà, j'ai tapé comme d'habitude le texte, le titre pardon de ma chaîne. Et nous avons une petite image bien sûr qu'on va déterminer son reflet miroir. Donc j'ai déjà importé une petite image. Donc bien sûr si les règles ne sont pas affichées dans votre espace de travail. Voilà la procédure pour faire apparaître ces règles. Donc, affichage dans le menu déroulant. Donc, on va cocher les règles. Donc, faut cocher règles et ils vont apparaître. Donc, je vais bien sûr descendre une ligne pour l'alignement du texte. Voilà. Donc, je vais déplacer mon image pour qu'il soit aligné avec le texte. Voilà. Et je vais descendre une autre ligne pour niveler la hauteur. Voilà. Donc je vais transformer bien sûr les dimensions de mon image, CTRL-T comme d'habitude. Et pour maintenir les dimensions bien sûr de l'image, on enfonce la touche Shift et on fait ce déplacement. Voilà. Puis, checkmark. Donc, on va déplacer légèrement mon image à droite. Voilà. Et mon texte aussi, je le sélectionne, je le déplace légèrement aussi. Voilà. Maintenant, donc, je suis prêt. Donc, la première opération à faire, c'est de fusionner ces deux calques. Donc, comment fusionner deux calques, c'est-à-dire les mettre en un seul calque, il suffit de les sélectionner tous les deux avec l'opération suivante. Donc, il faut maintenir CTRL enfoncé et les sélectionner. Voilà, ils sont sélectionnés. Et pour les fusionner, toujours la touche CTRL enfoncé et d'appuyer sur E. Donc, voilà, ils sont dans un seul calque. Pour s'assurer, il faut cliquer sur l'œil à gauche. Donc voilà, sont tous les deux dans un même calque. Donc une fois on a fusionné ces deux calques, donc on passe au dupliquage, c'est-à-dire photocopie de ce calque. On a deux façons de le faire, soit cliquer à droite et cliquer dessus, dupliquer le calque, ou bien on clique et glisse sur. Donc on va cliquer et glisser sur nouveau calque et il va apparaître calque copie. Donc une fois on a fait une photocopie, c'est-à-dire un duplicage du calque, donc on passe à édition puis transformation. Donc au-dessus de transformation, c'est-à-dire transformation manuelle, et la transformation, donc on entre dans le menu déroulant et on choisit la symétrie axe vertical. Voilà, donc j'ai mon calque copie bien sûr. Donc je vais le descendre au-dessus de cette deuxième ligne. Donc la façon, c'est de maintenir Shift. La première façon, maintenir Shift enfoncé bien sûr et cliquer glisser. Voilà. Il y a une deuxième méthode, c'est travailler avec les touches de direction, avec bien sûr la flèche qui est en bas. Donc une fois on a fait cette opération, donc on s'assure bien sûr de l'alignement. Donc on va supprimer à nouveau ces lignes des règles. Donc il faut les maintenir, cliquer, glisser vers le haut, elles vont disparaître automatiquement. Donc voilà, l'alignement il est parfait. Donc maintenant on peut passer à l'étape suivante. Donc on va changer l'ordre de ces deux calques, c'est-à-dire le calque original et sa copie. Donc je maintiens
bien sûr le calcopie et je vais le descendre jusqu'à l'apparition de deux lignes parallèles blanches. Voilà, je lâche. Donc voilà le calcopie, il est maintenant au-dessous du calque original, calque 1. Donc après cette opération, on va créer bien sûr un masque de fusion qui est à côté de FX. Voilà un petit rectangle. Bien sûr, à l'intérieur de ce, il y a un petit disque. Donc je clique et voilà mon masque de fusion, il est créé. Donc l'opération suivante consiste à choisir l'outil dégradé. Il faut s'assurer d'abord là que la couleur blanche est en premier plan et la noire elle est en arrière-plan. C'est très important. Ensuite, donc, on clique sur le dégradé, on choisit l'outil dégradé. Et là aussi, il faut s'assurer que la couleur blanche est en premier plan et le noir en deuxième plan. Donc, une fois on est sûr de ces deux choix, donc on maintient la touche Shift enfoncée et je place ma croix donc à la fin du premier texte d'origine et de faire un segment jusqu'aux les trois quarts du texte et lâcher. Voilà. Donc il me reste un peu de retouche, bien sûr, c'est de changer l'opacité du texte copie. Donc il faut faire très attention. Donc on doit sélectionner seulement, bien sûr, le calque copie. Donc jusqu'à l'apparition, bien sûr, d'un rectangle blanc. Donc je clique, voilà, l'apparition du rectangle blanc, c'est-à-dire que le calque copie est sélectionné tout seul. Et là, on va modifier l'opacité. Donc, il y a l'apparition à gauche de 10 fonds, bien sûr, de deux flèches, bien sûr, d'une flèche horizontale. Donc, on va diminuer jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. Donc, voilà, 79, je peux diminuer jusqu'au, par exemple, 60. 71, 70, c'est bien, et je lâche. Donc voilà, maintenant j'ai le reflet miroir de mon texte et de mon image. Bien sûr, il y a une autre méthode, on va voir dans le tuto numéro 4. Donc soyez au rendez-vous et abonnez-vous s'il vous plaît dans la chaîne.